vous menacer. Et même si elle est loin d'être parfaite... C'est totalement hors sujet. Moi non plus, je ne le suis pas. Un partout, balle au centre. Bien dit, mon superbe fils. Qu'à quoi? Déguerpissez. C'est ma maison, ici. Stop! Retirez-vous! Tout est fini, allez-vous-en! Quoi? Je ne comprends pas. Nous sommes venus vous sauver, monsieur. Non, vous ne pouvez pas me sauver, je l'ai déjà été. Par mon frère. Pardon? Oui, il m'a aidé à prendre conscience que... mon approche n'était peut-être pas la bonne. Et si vous m'aviez dit un jour que je dirais ça, je vous aurais répondu jamais, mais nous y voilà. Bien. Vous êtes libre de suivre votre propre voie. Ça n'a pas le moindre sens. C'est forcément une sorte de code. Il tente de communiquer en clignant des yeux. Oui, je crois que c'est un message en morse. Vous êtes libéré de vos fonctions. Vous nous dites qu'on ne doit pas vous croire. Je n'ai pas dit ça. Non, je... Stop! Jackson. La mission est terminée. Je t'en prie, pars à la recherche de toi-même. De tout ce qui te rend heureux, qui t'épanouit. Nous méritons tous de l'être. C'est... Votre philosophie survivra! Elle survivra même sans vous! Je n'y tiens pas du tout. Je n'ai jamais été quelqu'un de très éloquent. Je vais voir comment va Constance. Bon. Je peux faire quelque chose? Est-ce que vous êtes bricoleur? Je ne comprends pas cette question. Attrapez un marteau. J'ai réussi. Alors? Qu'est-ce qu'on doit faire? On va essayer de restaurer la capacité de Constance à ressentir le bonheur ou n'importe quel autre sentiment. Comme vous êtes les personnes qui lui sont le plus chères, je crois que tous les trois, vous êtes les mieux placés pour l'aider en ce moment. Je reviens à ma question initiale. Qu'est-ce qu'on doit faire? Soyez vous-même, parlez-lui. Vous, vous êtes une source de bonheur pour elle. Vous êtes sûr? Oui. Salut, Constance. J'imagine que tu nous entends. Alors, pour être franche, t'es loin d'être la fille la plus gentille. Kate! Qu'est-ce que tu fais? Ça va, laisse-moi finir. Ce que je veux dire, c'est que, malgré ton sale caractère persistant, tous les trois, on adore passer du temps avec toi. Suivant. Tu te rappelles la fois où tu as détruit la chuchoteuse avec ton esprit? C'était vraiment cool, pas vrai? Un grand moment. Alors, on va se créer plein de nouveaux souvenirs. Amitié, rigolade, bien-être. Tu fais qu'énumérer des mots agréables. Constance, on veut que tu redeviennes comme avant. On a besoin de toi. On t'aime tous. En fait, on la rend pas heureuse. On l'insupporte. C'est peut-être la solution. Qu'est-ce que Constance aime faire par-dessus tout? Nous insulter? Exactement. C'est comme ça qu'elle exprime son affection. C'est ce qui la rend heureuse. C'est une approche originale, mais t'as raison. Il faut qu'on l'incite à nous insulter. Elle a plus aucune réaction. Plus pour l'instant. Il faut que son envie de réagir devienne impérieuse. Par exemple, si je dis que j'aime énormément les câlins, oh. Combien de temps vous croyez qu'elle résistera, hein? Ça va à l'encontre de sa vraie nature. Constance, j'ai une passion pour les câlins. Je les adore. Est-ce que vous avez vu la couleur des nouveaux trains maglev allemands? Des rayures verticales bleues. Je crois que je vais m'évanouir. Tu veux que je te dise ce qu'il y a de bien avec mon seau? Il n'est pas lié à une angoisse irrationnelle ou à un besoin affectif. C'est juste un outil efficace pour pouvoir faire face à n'importe quoi. Elle a... Oh, oh, je...
continuez. Dis-moi, Kate, c'est quoi déjà ton poème en rime préféré? Il faut vraiment en choisir qu'un seul. Ils sont tous excellents. Les beaux bois sombres semblent s'épaissir, mais j'ai des promesses à tenir et bien du chemin à parcourir avant de dormir. Le succès semble plus suave aux personnes qui ne l'ont jamais connu. Comprendre le nectar requiert d'avoir souffert tant et plus. N'entre pas apaisé dans cette nuit si altière. Rage en rage contre la mort de la lumière. Quand le jeune avril, là, de ses averses, telle Odine, perce la sécheresse du mois de mars jusqu'à la racine. Tu veux savoir ce que j'aime plus que tout le reste? Plus que les câlins? J'adore les bons vieux gilets bariolés et plus particulièrement tous les pulls sans manches. Je crois que j'aimerais mieux être dans le coma que d'entendre ces sottises. Elle est sauvée. Constance. Oh, mademoiselle Perebas. Non, non, pas de câlin. Surtout pas. Tu nous as fait une déception. Tu nous as manqué, Constance.